Ce matin, je sais plus comment je m'appelle. La forme du canapé bien trop belle. Je doute pas de sexe, t'as la demande. Hello, moi c'est Cola et je suis compositeur, beatmaker et chanteur et j'habite à Nanterre. Un beatmaker, c'est juste le terme pour dire quelqu'un qui fait toutes les instrus des morceaux. C'est un terme qui vient du rap surtout, donc ça veut dire faire des prods de rap. Même si mon style, c'est pas spécialement du rap, mais en gros, c'est un peu le terme qu'on utilise. Je demande à mes abonnés sur Instagram de m'envoyer des messages vocaux de ce qu'ils veulent. Je prends ces sons qui sont pas musicaux et je les transforme en sons musicaux et ça, je les arrange pour que ça fasse une petite prod de 1 minute. Pour la base, dans une des voix que j'ai reçues, il y avait ça. Ouais, ça fait un peu moins de Shaolin, je sais pas trop, mais ça passe bien. Je l'ai traficoté, ça a donné ça. Après, il fallait lui donner un petit côté rythmé et tout, j'ai rajouté ça. J'aime bien quand ça fait wop wop wop. Sur ça, je rajoute un texte que j'écris, souvent un truc assez décalé, assez fun. Tu rigoles à contre-temps, plus relou qu'un confinement, j'écoute la table d'à côté. J'ai grandi et j'ai toujours vécu à Nanterre, j'y vis encore. Et niveau artistique, moi j'ai commencé à musique et compagnie et j'ai tout appris là-bas. C'est là où j'ai commencé par faire de la batterie, de la guitare et du piano. C'est grâce à musique et compagnie que j'ai rencontré mon premier groupe. Après ça, j'ai fait des études d'ingé son. Et aujourd'hui, je suis toujours chez musique et compagnie, mais maintenant je suis prof. Je suis prof de MAO, donc j'enseigne comment composer de la musique sur ordinateur. Et la ville de Nanterre m'a toujours accompagné dans mon projet, que ce soit via la salle Daniel Ferry qui m'a permis de faire des résidences, ou concours cordes sensibles à la Maison de la Musique. Quand je me suis lancé dans mon projet, j'ai composé un peu mes premiers titres, mais j'étais pas vraiment sûr de ma voix, est-ce que j'avais le niveau, est-ce que ma voix était intéressante, etc. Donc je me suis inscrit à cordes sensibles, que j'ai gagné. Ça m'a vraiment rassuré en fait, et donné confiance en moi pour me lancer dans mon projet aussi en tant que chanteur, quoi. J'ai été sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, qui est une espèce de tremplin pour les artistes émergents avec une très bonne renommée. Donc les sélections sont le 3 février, donc ça sera une audition concert en public. Je suis accompagné de 2 musiciens. Donc voilà, on croise les doigts, mais on est prêt et on va faire du sale, comme on dit.